Welcome back, guys. So today, as you can see, I'm gonna eat some rice and I've made a pot-au-feu. Pot-au-feu in English, it's pot on the fire. Yes. And normally it's made with beef, bones, and all the stuff. But I made it with chicken wings because I'm not a huge fan of beef in his real form, I guess. So I made it with chicken wings. There is potatoes, carottes, bouquet garni, some navet, I don't know the name in English. I'm gonna put the ingredient in the description box. And I have for the juice some caresse antillaise corosol. So it's been 5 years I haven't had the corosol, so I found it at Auchan. I was like, wow, they sell this here. And it smells exactly like the corosol. I don't know the name, it's corosol in English. Well, I don't know. It's like this. It smells the same. Oh my goodness. It's really good. Exactly like the corosol. So I have this. 5 years, guys. 5 years. So for today, I have a story time. I'm gonna speak in French for the story time. And I have a shootout. So please, stay tuned, and you're gonna see if I shoot you out, guys. And as you know, I'm a rice lover, so this dish, it's a French dish. You have to heat it with bread, baguette, with a baguette. But to dip the baguette in the sauce, because it take a long to make it. I'm gonna put the ingredients, but you have to heat it with a baguette. But I prefer rice. I think it's more consistent. So, first person I shoot out, it's Omesha Jones. Omesha Jones. Shout out to Omesha Jones. She's been there since the beginning. And girl, thank you so much for being there for us. Watch our video, sending love. Thank you so much. So, thank you so much for being here for us. Shout out to Diona. Diona, yes, you, Diona. Thank you so, so much. You follow me in Instagram too, so thank you. It's really good. This is especially when winter is coming to keep you warm.
Special shout out to Zalia Butler. Guys, this is the perfect juice. I swear, this is so good. So thank you to Zalia Butler. Yes. For being there for us. The last shout out is to Chandrika Davis. Girl, I said, huh, thank you for being here. For me, for Sephora, it's been a lot for us. Time for the story time, guys. In French, please turn the subtitle on because I'm gonna speak in French. Comment j'ai perdu 33 kilos en 5 mois. 5 mois, les filles. Seulement 5 mois. J'ai toujours été grosse. Le maximum c'était 125 kilos et 500 grammes. C'était affreux, franchement affreux. Mais j'ai toujours été coquette jusqu'au bout. Toujours. J'allais à la piscine. Je m'en battais les steaks des gens qui me regardaient. Franchement, je n'avais rien à foutre. En fait, c'est surtout que c'est pas que je mangeais parce que j'avais faim. D'ailleurs, j'étais plus salée que sucrée. Quand j'étais triste, je mangeais. Quand j'étais en colère, je mangeais. Quand j'avais froid, je mangeais. Quand j'avais chaud aussi, je mangeais. Le soir, quand je me réveillais, que j'avais peur ou j'avais fait un cauchemar, je mangeais. Alors, un jour, j'ai ouvert les yeux. Comment j'ai fait ? Merci au père de Sephora qui n'a pas arrêté de me rabaisser à chaque fois, me traiter de grosse, que j'étais pathétique, qu'il était sorti avec moi par pitié, qu'il ne m'avait jamais aimé, enfin des choses comme ça quoi. Puis un jour, bah ça y est, j'ai craqué, je l'ai envoyé chier, voilà, parce qu'il y avait autre chose derrière. J'ai pensé à Sephora d'abord. J'ai essayé plusieurs fois, mais à un moment, voilà quoi, j'ai craqué. Et puis, il m'a dit, oui, tu es pathétique, tu n'es rien sans moi. Tu seras toujours aussi minable que tu es. Et plus tard, tu regretteras de m'avoir laissé parce que tu trouveras personne d'autre. Alors là, le gros cul noir que j'avais... J'ai rassemblé toute ma haine, toute ma colère, tout ce que j'avais au fond de moi. Et puis j'ai commencé à faire mon sport. Mais extrême, hein, c'est vraiment extrême. Je faisais du squat, les abdos avec Georgia Oharukova ou un truc comme ça. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en bas directement. Je faisais de la corde à sauter, ça marche très bien pour faire perdre des cuisses. J'ai commencé à marcher aussi, 5 km tous les jours, tous les matins.
Ça fait fondre les cuisses direct. Et puis j'ai suivi un nouveau régime. J'avoue que pour ce régime, j'ai été un peu dans l'extrême. Faudra pas faire comme moi les filles. Si vous voulez perdre du poids, franchement, faudra pas faire comme moi. Parce que j'ai fait dans l'extrême. C'est-à-dire que je mangeais, j'ai fait un régime. Commencez pas à me critiquer, s'il vous plaît. À me regarder avec des gros yeux. J'ai fait un régime où je mangeais que 500 calories par jour. Voilà, 500 calories par jour. Une personne normale a besoin de 2000 à 2500 calories par jour. Je mangeais que 500 calories par jour. Et j'ai fait ça pendant 5 mois. En plus du sport, j'ai perdu vite, je me suis affinée vite. Et puis, voilà. Mon médecin traitant, la bonne blague. Mon médecin traitant m'avait conseillé que comme j'étais arrivée à 125 kg, il fallait que je fasse une sleeve gastrique. J'ai commencé à faire toutes les démarches, forcément. Et puis, à un moment, je me suis dit, pourquoi je vais faire ça comme ça alors que je suis jeune. J'ai 27 ans. Je peux le faire toute seule. Je peux le faire. Je me sentais capable de le faire, franchement. Et puis, vous voyez, ça, c'est un plat qui a beaucoup de légumes. Il y a des pommes de terre, il y a des carottes, il y a des navets, il y a de l'oignon, de l'ail, de la soupe. Et juste un peu de viande, quoi. C'est tout, ça. Ça ne fait pas grossir. Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'huile, hein, parce que comme le poulet il est gras, ça recrache déjà du gras, donc il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile. Donc voilà, et mon plat fétiche pour perdre du poids, donc c'était 150 g chou-fleur brocoli mélange ensemble, avec un peu de sel, un peu de piment que j'avais broyé sur le côté, et une saucisse vapeur, que j'ai trempé dans l'eau juste en bas du truc vapeur quoi en fait. Donc je mangeais ça, midi et soir. Voilà, ça arrivait à peu près entre 300 et 400 calories. Et je prenais toujours un petit snack, c'est ça. Je prenais toujours un petit snack. Là, par contre, je pouvais prendre ce que je voulais. Je comptais les calories, en fait. Je pouvais prendre ce que je voulais. En général, je prenais une banane, c'est 60 calories à peu près. Donc voilà, et ça cale bien. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Le matin, je bois de l'eau chaude. Parce que les Asiatiques disent, ça permet de réguler le transit intestinal dès le matin. Donc de l'eau chaude, sans sucre, sans rien. Tu bois ton eau chaude. Avant de faire quoi que ce soit, tu bois ton eau chaude. Et puis voilà. Donc, le premier mois, j'ai perdu 10 kilos. J'étais aux anges. Comme par hasard, personne ne le voyait dans mon entourage. J'étais un peu dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. C'est toujours comme ça. Quand tu perds beaucoup de poids, ils font exprès de ne pas voir. Voilà. Toi, tu te dis, super, j'ai perdu 10 kilos. Ouais, les gens vont le voir. Et ces bâtards, ils le voient même pas. Ou alors, ils font exprès juste pour te foutre le seum. Franchement, ce régime, faut vraiment le vouloir. Avec ce régime, pour perdre vite, je m'accordais un repas gala par semaine. Fast-food ou gras, tout ce que vous voulez, une fois dans la semaine. Pas le midi, le soir. Une seule fois. Un seul repas. C'est-à-dire que une pizza, deux parts de pizza avec des frites, le cassoulet aussi des fois, parce que quand tu fais des régimes, c'est toujours des trucs bidons qui te manquent. Le cassoulet, s'il vous plaît. Une boîte de cassoulet avec du riz. Donc voilà. Burger, McDo. Il n'y avait pas encore de Burger King, donc pas de Burger King. McDo, kebab, tout ce que tu veux, tu te prives pas pour que ton corps puisse repartir pour reperdre encore plus vite. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai perdu. Et 400 grammes. Je fais des vidéos comme ça, mais en dehors des vidéos, je mange de la salade, des légumes, haricots verts, vapeur, brocoli vapeur, chou-fleur vapeur, voilà. Et puis j'essaye dans les vidéos de manger beaucoup de
de légumes. Comme là, il y a beaucoup de légumes. Et donc voilà. Je dis pas que je suis une pro des régimes, mais ce régime-là, franchement, il était dur. Il était horrible. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à perdre. Mais 33 kilos, vraiment. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi des gens dans ma famille qui font semblant d'être heureux pour moi, mais qui au final n'étaient pas d'accord pour que je fasse ça, quoi, en fait. Qui essayaient toujours de me démotiver. Voilà, ils essayaient de me démotiver. C'est-à-dire, ah non, mais tu sais, si t'es fatigué, tu peux rester. Ou les tentations. Vas-y, mange, mange. Vas-y, mange ça, c'est bon. Il faut exprès de se ramener avec... des trucs super bons qu'ils savaient que j'aimais, que j'adorais, le manger devant moi et de me dire t'en veux? Tu sais que je fais un régime, tu sais que j'ai du mal encore avec la bouffe, que je suis pas encore stable avec ça, et tu fais exprès. Tu viens me tenter en fait. Tu veux pas mon bien en fait, c'est ça. En gros, c'est ça. Je suis déjà un peu pleine là. Je finis mon assiette et après c'est fini. Et vu qu'il commence à faire froid, mais vraiment froid, température 0 ou moins 2 le matin, je vais investir dans un tapis de marche pour la maison. Comme ça, ce sera mieux. Je sais que manger 500 calories par jour, ça vous a choqué. J'espère que vous n'allez pas trop venir chipoter avec ça. Je sais, j'ai déconné, j'ai fait n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de stars qui le font. Il y a des poireaux dedans aussi. Ce jus, c'est de la bombe. Il est trop bon. Donc voilà, je vous ai raconté un peu de mon histoire. Que j'étais grosse avant, oui.
que je ne juge pas les gens parce qu'on m'a tellement jugé et que je sais ce que ça fait. Donc je juge pas les gens. Et puis voilà. Soyez heureux comme vous êtes. Si vous n'êtes pas heureux, si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, si vous n'êtes pas heureux, faites tout pour le devenir. Quoi qu'il en coûte. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me sens mieux, je suis plus heureuse comme ça. J'ai éloigné toutes les ondes négatives de ma vie. Je me sens bien comme ça. Je peux jouer maintenant avec ma fille, courir avec elle dans les parcs et tout. Avant, je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas courir après elle. Quand on jouait à chat ou au loup, elle court, elle court, elle court. Et moi, je suis là... Le cœur qui fait mal et tout. Là maintenant je cours, je. Voilà, j'y arrive. Donc voilà. Regardez comment c'est blanc. Ce jus c'est trop bon. Je vous le conseille celui-là. Je l'achèterai plusieurs fois, je pense, celui-là. So, guys, if you enjoyed this video, please give me a big thumbs up. Leave a comment down below to tell me if you want the recipe. I'm gonna put the recipe in the description box. And it's really easy. You take all, you put on the pot, you put a chicken broth inside, you close and you let it cook for 2 hours. That's all. So, and subscribe. Bye.